Salut à tous, c'est Grégo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, avec l'équipe de 7000, on a deux chroniques à vous proposer. La première, c'est sur le prix européen des arts appliqués. François, notre chroniqueur, a interviewé Ornella sur l'exposition de Beecraft. Au total, c'est une centaine de créations contemporaines à découvrir aux anciens abattoirs de Mons. La seconde chronique, c'est sur la librairie de l'Oiseau Lyre. L'établissement emblématique de la rue du Hautbois à Mons fermera bientôt ses portes et on vous dit tout sur 7000.be. Bon, je pense que c'est l'heure maintenant de passer à l'agenda du week-end. Alors pour commencer, le 4 février, il y aura le groupe de punk rock Stigmat qui jouera au bout de nos rêves à Gorin-Ramecroix. Ensuite, le même soir, il y aura un concert un peu plus différent, Diantel, à la Maison Culturelle de Hatt. Et si vous voulez une sortie culturelle un peu plus posée, on vous conseille Fritland à l'arrêt 59 de Pérouet. C'est un spectacle rempli d'espoir et d'humanité. Le lendemain, le 5, on vous propose Pupo au Théâtre Royal de Mons, mais aussi le même soir, Impro sur Mars à la Maison Folie. Et pour bien terminer la semaine, alors le 6, on vous donne rendez-vous pour les Nuits Lumineuses au Parc d'Enghien. Bien évidemment, il y a encore plein d'autres sorties à faire ce week-end. Vous pouvez retrouver l'agenda complet sur 7000.be. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, des bisous !